Smilette, aujourd'hui on se retrouve dans cette ouverture de colis qui vient des États-Unis et que j'avais trop hâte de la recevoir. C'est parti, on l'ouvre ensemble tout de suite. Alors, ce colis vient du site BH Cosmétiques. En fait, je suis une youtubeuse qui s'appelle Carly Bibel. Et c'est une américaine et c'est une fille qui... Wow, j'adore. Elle est belle au naturel, elle est belle maquillée, elle est rigolote. J'apprends beaucoup de choses au niveau technique, au niveau de maquillage. Bah, elle fait un peu de tout. Hein. Elle nous fait aussi des vlogs, elle nous fait des hauls, elle nous fait des lookbooks. Elle nous fait énormément de choses. Mais alors, c'est une beauté. Je vous mets sa photo pour celle qui ne la connaît pas là. Et je vous mettrai son lien de sa chaîne en barre d'infos ou si je peux juste au-dessus. Et c'est une personne que je suis tout le temps. Elle a sorti sa palette chez BH Cosmétiques. Et vous pouvez pas vous imaginer, elle est en rupture de stock pendant je ne sais combien de temps. Et là, j'avais demandé ce qu'on prévienne par mail. Et en plus de ça, il y avait une promotion, c'est-à-dire que au niveau des frais de port, c'était ça, il y avait les frais de port gratuits, sauf à l'international où fallait les frais de port c'était 2€. Peut-être que ça va être dans ma facture qui peut-être à l'intérieur, je sais pas, hein, j'ai pas encore ouvert, mais c'était ça, les frais de port au niveau étaient gratuits au niveau Amérique, tout ça. Donc j'ai rentré et j'avais juste 2€ quelque chose à payer pour me la faire revenir. Je l'ai reçue en bon état dans ma boîte aux lettres, donc c'est pour ça que j'aime bien vous montrer aussi en live. Hop, on m'a dit donc. Ça se présente comme ça. Hop. Trésor, il est là, vraiment bien emballé. Excusez-moi pour le papier, mais bon, je veux vraiment vous montrer. Alors, il est tout petit. Bon, en fait, il n'y a pas que sa palette à elle. Il y a d'autres choses, mais on en reparle après. Alors, elle est là. Dans du papier bulle. Et regardez. Elle tient. Ouais, ça fait au niveau de ma main. Voilà. 14 couleurs plus highlighter palette. Donc c'est aussi écrit en français, palette de 14 couleurs, ombre à paupières et illuminatrice. Donc c'est aussi enveloppé. Il y a un papier film. C'est vraiment super bien enveloppé. Hein. Là, il n'y a pas à dire pour le coup. Vous voyez ? Très rigide le papier en plus. Bon, avancez la vidéo. Hein. Retrouvez-moi quand j'aurai terminé de la déballer. C'est du papier qui colle bien. Là, électrostatique. Alors, je verrai le reste après. Hein. Ah si, il y a ma facture. Je voulais vous voir justement ce qu'ils mettent. Voilà, c'est ça, frais de port gratuit, j'avais juste 2€ pour être livré. Et donc la palette de Carly, 12,50€. Je vais pousser ça pour ne pas faire de bêtises. Hop. Alors, on a, elle se présente comme ça, c'est cartonné. Derrière, il y a écrit en anglais et en français. Carly Bibel, experte en beauté et vedette de YouTube, a créé cette palette de 14 couleurs d'ombre à paupières et de poudre illuminatrice polyvalente pour ajouter une touche de glamour et d'éclat à votre teint. Le goût de Carly pour le raffinement chic et l'élégance moderne l'a inspiré dans son choix d'ombre au ton naturel neutre brun prune. Moi, c'est ce qui m'intéressait par rapport à mes yeux vert noisette. De 4 fards qui flattent tous les teints, le mélange de couleurs mat et chatoyantes vous permet de passer facilement d'un maquillage intense pour vos soirées à un maquillage plus discret
pour vos journées. Donc pareil, c'est pas testé non plus apparemment sur les animaux. Ouais. Donc on y va. J'ouvre. Je me vois, il y a un miroir. Ah oui, oui, attendez, je vous montre et je découvre en même temps que vous. Hein. Ouais, il y a un papier de protection qui est bien scotché. Ah, dis donc. Eh bien, au niveau déjà le packaging pour l'envelopper, le film, je le retire. Waouh, 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 c'est des couleurs nude. Alors, je vous montre. Aspire to inspire. Le design, donc on a le miroir. Hop. Et voici les phares. Donc, on va retrouver, comme ils ont dit, phare mat, phare irisé, plus au niveau donc des highlighters. Voilà. Alors, ce que je vais faire, vous allez dire, ah, on veut swatcher. Je vais pas mettre mes doigts tout de suite maintenant, quoique j'ai trop envie. Allez, juste un ou deux, parce que je veux vous faire vraiment une revue. L'utiliser, savoir si ça tient, l'application, la tenue, donc ça je vous l'ai déjà dit, enfin bref, tout ça, et je vous ferai les swatchs après, donc la vidéo, parce que là j'ai d'autres choses dans le colis aussi, donc je voudrais vous montrer. Alors c'est parti, on va prendre, ça j'ai, quand je l'ai vu, j'ai trop envie au niveau, ça fait des petites roses. Oupa, j'ai mis léger mon doigt, hein. Ben, heureusement, parce que dis donc, ça m'a l'air d'être bien. Voici un highlighter, il est beau. Il ressemble un peu à... Il ressemble, oui, à celui-là de I Love Makeup de Revolution que j'ai aujourd'hui. Et on va prendre un fard mat. Alors, on va voir. Tiens, un fard mat prune. Ça me rappelle quelque chose. Hop. Ah bah là, il y a de la pigmentation au niveau du fard mat. Hein. Et on va prendre un fard irisé. Ouf, juste un petit passage. Maman, c'est moi qui l'ai ouverte. D'habitude, c'est maman, quand j'ai des palettes, elle aime bien mettre le nez dedans maintenant. Donc voilà. Donc je vous fais une revue. Si vous en voulez plus, mettez un petit pouce vert. Avec un petit commentaire. Alors ça, je vais mettre ça là. Et ensuite, donc je vous ai dit 12,50 €. J'ai trop hâte là, je suis... Trop hâte. J'ai commandé, je me suis dit autant en profiter, hein, parce que c'est pas tous les jours que je commande chez eux. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, donc c'est la deuxième fois. Qu'est-ce que c'est déjà ça? Ah oui, un long lasting matte lipstick qui se présente comme ceci, packaging. Et je me demande si la prochaine fois je vais pas aussi tester leur pinceau. Ils ont un peu wow, packaging sympa. Il y a encore un film ou pas dessus? Ah non. Et j'ai pris. Ah ben ça fait clac clac. Voilà. C'est couleur. Bah le même que j'ai là. Là c'est un Chanel. Où je vous mettrai la référence en barre d'infos de celui-là que j'ai. Ah oui, ça lui ressemble. Et c'est en mat. Donc on va voir aussi la tenue. Je pourrais bien m'en servir aussi pour faire un petit tuto avec la palette de Carly en même temps. Comme ça, je pourrais vous le dire. Et lui, 5,50 €. Donc on va voir tout ça. Je vais le sentir. Ensuite, j'ai commandé aussi une autre palette qui est la Forever Nude. Et celle-ci, elle était à 9 €. Pareil, je l'ai vue... c'est sur le site de BH Cosmétiques sur Facebook, ouais. Donc voilà, intemporel et classique, le maquillage naturel ne se démode pas. Cette palette tout en un contient des teintes naturelles et flatteuses pour les yeux, les lèvres et les joues. Elle convient à toutes les carnations et est idéale pour un usage quotidien. La palette se compose de 6 fards à paupières en taille de luxe avec des finis brillants satinés
et mat, deux fards à joues de couleur neutre, une poudre illuminatrice et deux rouges à lèvres pour tous les jours. Que vous préfériez la tendance naturelle ou un smoky discret au quotidien, cette palette répondra à toutes vos attentes. Ouh, c'est tout mimi, regardez. Par contre, en plastique, là, ça fait bizarre, ça change. Je regarde l'ouverture. Film de protection. Il y a un petit peu de fard qui s'est déposé, mais je pense que c'est avec le... Voilà, donc un beau miroir. Donc on retrouve les rouges à lèvres, les blushs, les highlights, le highlighter apparemment. Oh bah ça me paraît bizarre pour un highlighter ça. Ah mais il est mat. Une poudre illuminatrice de fard à joues. Moi je sais pas, mais c'est à voir. Plus les autres fards. Voilà. Donc pareil, si vous souhaitez une revue sur cette palette, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les petites smilettes. Et ensuite, ça je me souviens même plus de ce que c'est. 5€. Essentiel Eye to Go, 6 palettes shadow, palette de 6 couleurs, ombre à paupières. Je me souviens même pas que j'ai commandé ça. C'est tout petit. Ah, si. Ça y est, je me souviens. Bah, je vous montre, mais c'est pas pour moi. C'est pour vous. Donc, pour rajouter un petit plus dans mon lot des 3000 abonnés. Et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça peut aussi aller à toutes les carnations. Donc, je l'ouvre pas, je swatch pas, je n'en fais rien, je le range. Et ça va compléter mon petit colis, enfin mon petit colis, pour mon concours de mes 3000 abonnés, pour vous remercier. Donc voilà, je suis trop contente. Et à l'intérieur, on avait, ils nous mettent un petit carton. Donc ouais, c'est cette palette-là, je pense que je vais recommander. Donc ils nous remercient de la commande, c'est plutôt sympa. Et c'est cette palette-là aussi, je pense que je prendrai la prochaine fois. C'est, est-ce qu'ils mettent, c'est quoi? La nude. Oh. Parce que je la voulais et je crois qu'elle était indisponible. C'est pour ça que je me suis rabattue sur celle-ci. Ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on l'a vue aussi. Voilà les smilettes. Donc si vous voulez ben, des tutos, je vous attends. Dites-moi si vous voulez. Là, de toute façon, celle-ci, je vous ferai une revue, c'est sûr, avec tuto. Mais bon, dites-moi quand même. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.